Dieu veut pour nous. Dieu veut une vie abondante pour nous. Et hier, nous avons vu les quatre modalités, ça veut dire les quatre dimensions de l'homme. Et dans ces quatre dimensions, nous gagnons des choses pour nous faire, pour nous capables d'expérimenter le bien-être, d'expérimenter le bonheur. Hier, nous avons vu la dimension physique. Est-ce que nous avons rappelé avec quoi qu'il y a l'autre dimension qui gagne? Après physique, là, gagne social, gagne mental, gagne spirituel. Toutes dimensions, ça, ce sont des dimensions extrêmement importantes pour nous connaître, pour nous comprendre et pour nous connaître surtout dans la vie, nous, comment nous allons faire pour nous capables de gérer dimension ça, pour que dimension ça soit capable, profitable pour nous dans notre quête du bonheur. Je tiens à nous parler d'un certain nombre d'histoires, un certain nombre de faits et de réalités qui va nous permettre de nous comprendre un tout petit peu, parce que vous imaginez que dans 30 minutes, nous ne sommes pas capables d'aller tout. Deux aspects, qui c'est l'aspect mental là et l'aspect social. L'aspect mental là, en fait, une bonne façon que j'ai l'habitude de le dire, c'est que, par exemple, santé physique, c'est leur bien dans le corps. Santé mentale, c'est leur bien dans l'esprit. Santé sociale, là, même, c'est leur bien dans la relation qu'on gagne avec l'autre. On va parler de santé sociale, on va parler des déterminants sociaux de la santé. En général dans le communauté, c'est ça, mais m'a parlé de relation monde à monde. M'a rappelé nous que si nous voulons comprendre relation monde à monde, nous sommes capables de comprendre la phrase que nous disons, dans le premier jour, nous disons, monde, n'a pas les étrangers, monde, pas monde, sans monde. Pour monde, sans monde. C'est base relation sociale là, c'est l'arrivée pour prendre l'importance que monde a dans la vie. Mais ça, on va commencer à comment on fonctionne à tête, on fonctionne avec l'autre monde pour nous capables vraiment développer une relation tellement positive que nous capables porter le bonheur dans la vie. Je dis à nous qu'on va deux parties, ça, mental là avec social. Vendredi, on a fait question-réponse seulement. Spirituel là, c'est lui qui va l'objet de prédication que l'on a fait samedi. Samedi matin, nous allons parler de santé spirituelle, nous allons dissalier qui voit la spiritualité à gagner dans le bonheur, qui voit la spiritualité à gagner dans la santé, pour nous capables de télier avec qui ça que bon Dieu lui-même vient comme plan pour nous en matière de bien-être spirituel. Pour nous capables de parler de deux aspects, mental et social, à ce point, nous ne pouvons pas parler de dosage, nous ne pouvons pas parler de dosage, mais toujours qu'il y a bien en tête pour que tout ça nous dit, nous là, c'est des choses qui permettent que nous capables produit de la dose à l'intérieur de nous-mêmes, produit du bien-être à l'intérieur de nous. Je vais commencer par une histoire. Une histoire, c'est une histoire vraie. Et m'espérer que l'histoire, ça va faire nous commencer à faire sortir un des plusieurs aspects de la cause. En fait, pour être capable de présenter nos aspects mentaux et aspects sociaux, nous allons essayer. Très vite, fait deux bagages. Nous allons essayer de voir qui ça pour nous pas faire, mais qui ça allait nous faire bien. Plus exactement, je disais, Jean-Marie Lilla, qui ça, mais qui mythe pour ne pas quoi la donne concernant le bonheur, parce que dans le mythe, nous quoi la donne qui empêche nous heureux. Et puis, l'aide, si vous voyez ça, si bon Dieu permet, nous allons voir qui ça pour nous faire pour nous heureux. En fait, et à la vérité, nous allons mélanger les deux pour nous capables de comprendre et de façon pratique. Qui ça peut nous faire. On va commencer par une histoire vraie. Cette histoire, c'est une histoire qui se passait au Vietnam dans les années 60 et qui correspond avec un monde, un monsieur que l'on appelait Wei Chung. C'est pas son nom, mais j'ai choisi de l'appeler comme ça. Wei, c'est quelqu'un, jeune garçon, qui en fait est éduqué avant même la guerre du Vietnam. Il était non seulement éduqué, mais aussi dans le pays, il était fait partie de nous, qui était qu'on parlait anglais. En plus, non, la guerre n'est pas au courant de la guerre du Vietnam, mais la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui était opposée les communistes avec les Occidentaux, les Américains, et qui commençaient avec les Français, ensuite qui commençaient à continuer avec les Américains, et fondamentalement, les communistes. Que les mers rouges pour arriver à la bataille, ils ont été établis au niveau de ce pays de Vietnam, le régime communiste. Donc, les messieurs, ça a gagné la bataille. La première bataille, c'est mettre en prison tout le monde qui, selon eux-mêmes,
représenter l'esprit capitaliste, représenter l'Occident. Et monsieur, ça a décidé que tout le monde qui est intellectuel, tout le monde qui gagne un niveau scolaire, tout le monde ça, c'est capitaliste, c'est ennemi de la nation. Donc, il y a arrêté tout le monde qui est professeur. Il y a même un grand film qui s'appelle d'ailleurs Claire Rouge, qui fait tout ça. Il y a arrêté tout professeur, tout docteur, tout avocat. Il y a arrêté tout le monde qui gagne une semblant d'éducation. La caillou, y compris donc, il faut arrêter Wade parce que Wade, non seulement éduqué, mais je sais qu'on parle anglais. Je dis, non, pas l'anglais, ça va foutre, pas ton expert, pour expert pour Amérique. Donc, il a arrêté Wade. Mais Wade, c'était un chrétien, il a grandi dans l'église et il était très aimé la Bible, il était très aimé mon Dieu. Donc, il a arrêté lui, mais on mettait dans la prison. Et prison, ça, c'est des prisons qui fait même pour capable de torturer les gens, faire mon passé misère. Parce qu'en fait, c'est des prisons politiques. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le malheur qu'ils sont en train de construire dans cette prison. Mais pendant que vous êtes en prison, en tout, les communistes font toujours ça. Ils ont assuré que vous faites des travaux de lavage de cerveau aussi pour vous. Donc, vous avez un paquet de livres. Il y a interdit tout livre en anglais. Vous avez un livre que vous mais tout livre que vous écrit en vietnamien. La langue vietnamienne s'appelle le Khmer, K-M-E-R-R. Donc, le bayo ces livres, mais ce qui est violé, c'est des livres qui parlaient de communisme, des livres de Lénine, des livres de Karl Marx, des livres qui parlaient de toute idéologie communiste là, en général. Et nous connaissons fondamentalement l'idéologie communiste, c'est une idéologie qui dit bon Dieu pas exister, monde qui croit dans bon Dieu, c'est pour sortir, monde qui croit dans bon Dieu, c'est ennemi de la patrie. Donc, il y a un livre comme ça que il y a forcé mon livre pendant matin, midi, soir. Pendant le premier mois, deuxième mois, plusieurs années, etc. Jusqu'à ce que Wade trouve un moment, il est tellement voilà, passé bizarre. Il dit, mon Dieu, peut-être que les livres, ça, il dit, pas de mon Dieu. Et si mon Dieu a rien la guerre, peut-être qu'il y a une raison, peut-être que pas de mon Dieu, quoi. Et Wade, levé au matin, il dit, bon, je dis, c'est fini. Bah, quoi, dans mon Dieu. Il dit, si mon Dieu existait, mon Dieu a fait mon sa mère, à partir de jeudi, hein, bah, quoi, dans mon Dieu. Donc, Wade sorti dans la prison hein, et dans le matin, chaque matin, ça a toujours fait, c'est distribuer les rôles, les tâches, par chaque monde, par chaque groupe de monde. Dans le jour, ça a dit, Wade, je dis, on prend laver la tribu. Et la tribu, c'est la tribu. C'est pas la tribu, bagaille, la caille. C'est des bagailles que, c'est des mouns, c'est des prisonniers qui l'a donné, des bagailles qui parlent avec tout le temps. Yo dit oui, je dis hein, c'est tout par pour laver la clé. Histoire vraie. Et oui, on m'a expliqué que tellement odeur la terrible que le passé toute journée, on est obligé de retirer maillot sous lui pour le marrer dans le visage et pour la nettoyer toilette sérieux avec beaucoup d'abattement, beaucoup de regret, beaucoup d'amertume. Et pendant que vous voyez à aller à nettoyer, etc., pendant que vous finissez, vous allez finir de river côté qui a des piles de papier que vous finissez d'utiliser pour mettre dans la poubelle là, que vous finissez d'utiliser, qui mettez dans la poubelle là, qui voyez là, etc. Et c'est job que vous prenez à mes paris pour le mettre dans la poubelle là. Et vous allez voir. Donc, vous voyez river sur le papier, vous prenez dans la poubelle là, et puis par hasard, vous allez tomber sur le papier, vous allez sur le papier qui est en anglais. Vous allez saisir. Il dit, oh, des fois, il n'y a pas d'interdit interdit pour anglais rentrer dans la prison. Ça. Il saisit. Comme il n'y a pas qu'à lire, parce que c'est interdit, il doit avoir une grosse sanction sur le délit. Qui ça veut faire? Il prend pas bien juste pour le capable d'évader, parce qu'il n'avait pas pu éliminer en anglais. Il y a plusieurs fois, il n'y a pas d'accès à un petit bagage qui est en anglais. Il prend une courrie, il prend l'eau, ça l'a passé sous papier, hein, qui est bien matière fécale sur lui, vous pouvez imaginer ça. Et puis, il prend une fouille dans la poche. Et puis, dans la soirée, il ouvrit flash dans un petit coin, il cachait et puis il a regardé qui sa papier aillé, qui sa ouelle, le papier a marqué, Romain 8. C'est un fait papier, la Bible qui est en anglais. Oui, maintenant, non seulement il était prié, bon Dieu, il dit, bon Dieu, si tu existes vraiment, fais-moi qui est celui. Deuxièmement, il est content depuis l'envie de lire anglais. Et troisièmement, l'envie de lire tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui est éduqué. Donc, oui, prend, fait papier ça, lit la vie, et puis, il gagne un morceau,
la Bible. Donc, Noé dormit pour la première fois, il dormit bien. Le lendemain matin, Noé est levé, bien content, il parlait devant le gardien, il va même temps faire distribution. Il dit, est-ce que vous avez parlé de l'endroit aujourd'hui? Le gardien est trop content. En général, il est couru à courir pour bagarre ça. Noé dit, oh mon Dieu, fais-moi l'autre papier encore. Puis vous arrivez là, le même côté à l'Ivoine, pour le faire pas bien voir, dans le même lit blanc. Même dans le même état, lavé, essayé. Puis jour après jour, vous a collecté papier la Bible, et puis vous avez commencé à construire cette Bible en anglais de la Bible chaque soir, en cachet. Alors, vous avez découvert que ça fait que chaque jour, la Bible nous fait papier Bible. C'est parce que chaque prison, hein, qui sont communistes convaincus, ils considèrent que poser la Bible, ça, faire papier qu'il a donné, un seul bagage qu'il faut faire, c'est papier doigt. C'est seul bagage qu'il a fait avec papier la Bible. Mais, il va connaître si c'est alimenté, là, va alimenter. Oui, pour la Bible, que le besoin que Dieu a longtemps de lui, l'a cherché. L'histoire de Way est une histoire vraie. Et Way dit, nous l'avons tellement content, vit tellement heureux parce que dans quelles conditions mon Dieu vient parler avec lui, parce que devine fit par quoi dans mon Dieu, et puis mon Dieu choisit moyen ça pour parler avec lui, vit ouais commence à changer dans prison. Ouais passé dans monde qui toujours mauvais, toujours distant à quelqu'un qui commence à aider monde, qui commence à bailler sourire à monde dans prison et puis qui commence à bailler monde envie vivre dans la prison. Et puis petit à petit, où il vient créer un environnement dans la prison à côté d'un paquet de gens, un paquet de monde qui vient rapprocher, où il vient donner un leader dans la prison, mais surtout, il vient créer une ambiance de vie dans la prison. L'histoire de Way est très belle en fait. À un certain moment, mon paquet de gens qui réunit mon côté, qui toujours mon côté, si Way ne peut pas faire son secret, avant son caca de secret. Il dit, Way, il va faire secret. Il dit, nous avons un plan pour nous sauver, pour quitter la prison. Est-ce que vous avez un plan? Oui, il dit, oui, d'accord, pour quitter la prison. Et puis il dit, eh bien, pourquoi ça l'a fait? Nous sommes en train de construire un bateau. Nous mettons un construit bateau avec les bateaux qui sont construits. Nous avons jeté, nous avons quitté la prison. Oui, il y a quoi avec monsieur? En fait, le pire. Et puis pendant que le bateau a construit, ça prend du temps parce que c'est une grosse opération à construire. Et puis, pour l'heure, il y a quatre gardiens qui paraissent dans le chapeau, bien fort, dans le lieu de frappe, bien fort, toc, 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 toc. Et puis, il ouvrit tout tremblant, et puis, il y a un bébé dans le toilette, il flaque monsieur dans le mur, il dit, nous, on qui soit fait, nous, on est quoi, construire bateau pour sauver. Est-ce qu'on construit bateau? Il dit, non, nous, on va construire bateau, non, on va faire un plan pour m'évader. Il dit, si nous, on est dans la question évasée, et nous-mêmes, on est fort, et puis, allez. Et puis, oui, allez, oui. Très désolé parce que les dit, bon Dieu, je te promets que je ne vais pas faire péché en regarder dans quelles conditions vous pouvez m'obliger à mentir. Il dit, bon Dieu, demandez bon Dieu pardon plusieurs fois. Et puis, il dit, bon Dieu, chaque jour, il demande pardon, mais il sentit que. Il pas senti le bien, il a senti en paix dans le cœur. Il dit, bon Dieu, si vous avez aimé que je change ça, ou bien si vous avez aimé que moi. Et corriger ça que tu fais, faire monsieur Vini encore. Mais moi-même, d'arriver pour pardonner. Et puis quelques jours après, monsieur a donné encore. Même pas là, oui, ils ont plaqué la nuit, ils ont dit, oui, est-ce que tu penses ton bateau? Je regardais monsieur, il dit, oui, je pense ton bateau. Et puis le gardien lui dit, est-ce que vous allez me tuer? Monsieur a dit, non, pas tuer, non, pas tuer, parce que nous t'en envie à la voix. Nous devons se sauver tout. Nous devons se sauver tout. Histoire vraie. Et puis, Way mettait en contact avec 62 mounions. Et puis, ils ont sauvé. Way dit c'est 4 messieurs ça. Pour sauver parce que 4 messieurs ça et 4 marins. Ils étaient gardiens de prison, mais c'était travail. Ils étaient tempête qui débarrassaient. Ils ont sauvé. C'est marins ça. Ils étaient sauvés. Et actuellement, Way a vécu en Californie. Amen. Je vous ai raconté cette histoire. Il n'y a pas trop de temps. C'est pour te dire non une chose. Premier mythe que tu as aimé nous retirer dans la tête, non, c'est que côté noir vivant, ce n'est pas lui-même qui peut déterminer est-ce que nous sommes heureux ou pas. Amen. Ce n'est pas côté noir vivant qui peut décider est-ce que nous vivons bien.
L'apôtre Paul te dit dans le texte, l'ambre qui texte, il dit, réjouissez-vous, je vous le répète. Il s'est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et qui Paul te dit ça? Réjouissez-vous, ça veut dire, tu vois encore? Cœur content, faut qu'il y ait toujours content. L'apôtre Paul dit ça, les salles dans la prison. C'est la prison qui est avec Christ. Donc, côté où vivre, l'homme doit déterminer la capacité qu'on gagne pour vivre heureux ou pas. Et c'est très important de le comprendre parce que bon Dieu a une capacité pour changer vie nous, même dans la vie dans notre pima. Alors, qu'on y est, hein, nous ne pouvons pas dire non, que parce que ma vie en Haïti, je ne suis pas. Parce que ma vie dans le quartier, ça, je ne suis pas bien. Parce que bon Dieu dit nous aussi dans la Bible, que pour les petites quatre modalités qu'on est capable de faire, les autres côtés ont fonctionné, lisez un obstacle à bonheur. Il y a quatre modalités, il y a quatre bagages qu'on a fait avec ça. Pour les bagages qu'on a fait avec nous, quand il y a des hommes, non? C'est pour les bagages qu'on a fait. Là, on n'est pas contre ces choses, non? Nous, comme ça? Là, on n'est pas contre ça, non? Soit vous vivez contre ces quartiers, soit vous n'avez pas évolué. Ou quand il y a des petits bagages qu'on a fait avec ça. Nous, la pas ça? Ça c'est la première façon qu'on va faire. Deuxième façon qu'on va faire, c'est qu'on va changer la mentalité par rapport à ce monde. Des fois, nous qu'on a vécu au côté, nous à côté à part du tout. Mais c'est parce que j'aime ouvrir la gagne, fait que nous ne pouvons pas. Je vous donne un exemple qui est assez obligé à courir malheureusement. Même quand nous que pris un pile en ligne, un pile pour proche, par exemple, qui toujours dit, mais faut qu'ils puissent pas quitter le pays ça. Toujours dit ça. Et nous avons raison, en fait. Le problème, c'est que moi-même, pas un monde qui était payé, c'est un monde qui retournait dans le pays. En 2009, pour une décision à retourner la carrière. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ça qui est comique, là, dit ça, c'est que la raison qui fait que vous avez même qui était payé, parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de ça, mais moi-même, Gadou, si besoin gagner un travail actuellement là, dans n'importe quel pays sur la terre avec les Nations Unies, je vais écrire un petit homme disponible après. Côté Miam, café. Et moi, je décide de quitter eux, je n'ai aucun problème avec eux. D'ailleurs, régulièrement, il y a beaucoup de gens. Donc, son choix, lui. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que même bagaille qui fait que grand pile monde qui décide de quitter le pays, hein, c'est même bagaille ça qui fait que je décide de rester dans le pays. Parce que je n'ai pas même approche de bagaille ça. Par exemple, vous voyez que dans le pays, il y a grand pile misère, moi-même, je dis pas ça. C'est moi-même, vous ne pouvez pas dire que vous dites ça, non? Ça c'est moi-même, les moins payés en pile misère, moi-même je réflexe pas, c'est qui ça me fait pour m'aider à diminuer la misère. C'est pas courir, sauver pour qu'il y ait des misères. Mais ça c'est moi-même. Ça ne veut pas dire que les bons, que les bons bassins, le monde, etc. C'est pas ça que je veux dire. Moi je veux dire que le premier bagage que vous faites, si vous avez un côté qui empêche que vous grandissez socialement, mentalement, c'est quitter. Deuxième bagage qu'il faut changer de conception de mentalité vis-à-vis du côté A, et ça, m'a dit de l'olé dans la Bible. Troisième bagage qu'il faut changer de mode de vie, mais il y a une bagage qu'il faut faire ça, où est fait pour changer l'environnement. C'est là ça le fait. Il n'y a pas qu'à quitter prison, hein? Qui ça le fait? Il changer l'environnement côté la vie. Ça, c'est le premier mythe que nous avons que nous retirer dans la tête. Deuxième mythe qui peut empêcher que nous soyons heureux. Nous pouvons penser que pas bien l'argent, c'est une bagarre qui a empêché pour eux. Il y a un peu de monde qui dit d'ailleurs, l'aime plus l'argent, ma sentine qui dit, l'aime plus moyen, ma sentine qui dit, l'aime plus tel ci, l'aime plus tel ça. Alors, il faut savoir que c'est une problème qui vient, c'est que nous avons l'impression que c'est gagner qui va faire nous changer, c'est l'avoir. Alors que ce n'est pas plus ou gagner qu'on va sentir plus bien, c'est plus ou. C'est l'être. Par contre, comment on traduit ça pour notre créole? C'est ça où il y a qui va faire bien. Ce n'est pas ça qui est bien. En fait, l'argent, les biens matériels, il y aurait les des amplificateurs. Des amplificateurs. Les gens qui sont méchants, qui ont pile comme ça le fait, il fait plus méchanceté. Les gens qui sont bons, qui ont pile l'argent, ça le fait, il fait un pile bien. Il y aurait les amplificateurs. L'argent va changer le monde. Il faut que nous toujours connaissions ça. L'argent fait révéler les vrais monde qui en dedans. Même pas la pouvoir. Ok? Donc, ce n'est pas chercher des empires, c'est chercher transformer à l'image de Jésus qui pourrait faire que ou sentir ou pire. Empire, c'est très important de dire dans ça parce qu'en fait, c'est un problème qui est. Des fois,
même dans la publicité, on va nous mauvais message, mais malheureusement, nous ne pouvons pas bien entrer là-dedans. Mais songez très bien que mythe qui voulait que Fogé en pile, etc. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur d'ailleurs. Dans le pays côté pour qu'il y ait en pile bagaille, en pile monde comme on mourit, c'est suicide. Ça veut dire que nous connaissons très bien, nous disons ça souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors il faut savoir que ce sont les pauvres qui disent ça. Les riches ne disent pas ça. J'aime tellement que vous disiez comme ça. Mais en fait, c'est vrai qu'avec l'argent, c'est beaucoup plus facile d'atteindre le niveau de bien-être. Nous ne sommes pas en train de dire que l'argent n'est pas important. L'argent, les recherches ont prouvé que faut avoir l'argent suffisamment pour retirer le problème social de vous. À partir de ce moment, il est plus facile pour vous pour atteindre le niveau de bien-être qu'on gagne. Mais même dans la situation qu'on gagne actuellement, si vous reposez sur mon Dieu, vous gagnez en pile bien-être dans la vie. Troisième mythe que nous avons retiré dans la tête. Le premier, c'était côté où vivre, la zone où vivre, il n'y a pas de constituer un obstacle pour avoir plusieurs bagages qu'on a fait. Deuxième mythe, ce n'est pas mettre dans la tête où l'embral gagne tel bagage, c'est laisser ma bien. L'embral tel genre, c'est laisser ma bien. Bien, bien être la bonne là, c'est couiller à vous chercher. Amen. D'ailleurs, j'espère pas, on va connaître ma bien. Il faut savoir que il y a un problème qui gagne. Un obstacle, comme je dis différemment. Il y a un secret qui gagne pour expérimenter le bonheur, c'est apprendre à vivre au présent. Dans la culture, nous vivons soit au passé, soit au futur. Soit au passé, et puis il y a du stress, nous sommes tous les problèmes que nous avons gagnés. Ok? Nous sommes mais tous les problèmes que nous avons gagnés. Ou bien on dit, oui, mon Dieu, demain à venir, qui ça va le faire? Qui ça me peut faire pour mon bagage pour manger, qui ça me peut faire pour payer l'école, qui ça me peut faire pour moi et voir si mon l'école, etc. Nous tellement dans le futur là que nous oublions vivre présent. Vous avez droit de faire une belle plage, un bel côté, un bon côté, ou bien avec un monde qui connaît mes oui, et vous penser à demain. Même à penser à 2 ans, dans 2 ans, c'est pas arriver à l'université. Donc c'est le plus gros problème que bonheur qui est pour le bonheur là. Et enseigner le monde, si vous voulez vivre le bonheur, apprendre. De temps en temps, on s'y campe et puis réfléchir sur Kotoya, Jean-Yéa, Kounyéa. Et c'est Kounyéa pour ne pas gagner des raisons de vous sentir bien. Dernier mythe que nous avons partagé avec nous, que pour nous retirer dans la vie, non? C'est là que nous mettons en tête que les autres, c'est eux-mêmes qui empêchent pour nous. Les autres n'ont pas d'obstacle à bonheur. Et c'est très important de le comprendre parce que les autres sont toujours là. Nous sommes toujours là, mais ce n'est pas jambes là. Tu vois d'accord? Les autres sont jambes là. Même si son monde proche nous remet, il n'y a pas jambes jambes là. Donc, où est-ce qu'on que les autres changent pour qu'elle va bien? Eh bien, j'aime bien, non? Ou pas j'aime bien? Parce qu'il faut comprendre. On sait deux bagages qui sont très importants pour comprendre. Parce que la Bible, il y a des prescriptions pour connaître comment pour nous faire, pour nous gérer, poser ça. La première chose, bonheur ou pas doué assujetti à l'autre monde. Et c'est très important de le comprendre parce que songez bien que je dis que le bonheur d'une personne se retrouve dans le regard des autres. Vous avez dit ça? Quand je dis que ce n'est pas l'autre monde qui vous bloque. Ouais, nous ne pouvons pas avoir une petite confusion dans ça. Nous ne pouvons pas expliquer nos confusions. Expression bonheur ou il passe par le bonheur des autres. Mais nous ne pouvons pas quitter les autres qui ont influence suffisamment sur nous pour l'empêcher que nous-mêmes nous capables de jouir du bonheur. Mais comment pour nous faire? Et c'est la bagarre la belle. C'est la bagarre la belle parce qu'à partir de ce moment, la Bible avec la science, ils ont fait même bagarre. C'est comme si on lit un texte scientifique sur bagarre ça, c'est comme si on page la Bible pour nous. Par exemple, Jésus dit nous, tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, faites-le de même pour la science du même bagage. Et c'est comment on commence lui pour comment on va gérer les autres là. Même pour y a Jésus qui va rentrer net dans le bagage. Jésus prend son premier bagage. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais on va commencer par ça qui est important. C'est de parler de ça. Dans la mathématique par les hommes, dans la mathématique par les hommes, pour me bailler,
femme gagne. Par vous allez? Femme gagne, vous m'avez. La mathématique par les hommes. Alors que Jésus dit, donnez et vous recevez. Il ne va pas dire recevez et vous donnerez, non? Qui ça Jésus dit? Bail et puis moi, recevez. Bon Dieu dit bail d'abord. Et puis moi, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec Jésus. On dit ensemble. Qui ça Jésus dit? Donnez. Ok, on dit l'entrée, nous d'accord. Paille. Et puis moi, recevoir. C'est ça que Jésus dit. Pas chercher pour mon servir ou servir mon enfant. Jésus dit, pas chercher pour mon aimer ou aimer mon enfant. Pas chercher pour comprendre mon enfant. Parce que vous avez bien saisi, vous avez aidé les gens, vous avez aimé les gens, vous avez compris les gens, vous avez bien saisi la quantité de gens qui est d'eau qui comprennent. Et le plus souvent, ce n'est même pas les gens qui comprennent. Le plus souvent, ce n'est même pas les gens qui ont aidé. On va vous donner ça. Je dis, on va faire bagarre en fait pour les ingrats. Le plus souvent, les gens qui ont fait bien, ce n'est pas les gens qui retournent bien. Vous avez remarqué ça dans la vie? Mais de premier à soi faire bien, c'est pour vous retourner bien, et bien on a toujours un problème avec la vie. Vous pouvez essayer d'expliquer nous de ça. Je vais parler de questions et bonheur là. Ce que je te dis, nous, toutes les choses qui contrarient nous, les provoquer la caille, nous décharge une série de produits que nous relèvons les hormones du stress. Et toute contrariété, bon, même hormones, et tout hormones, depuis que j'étais trois longtemps dans son, il y a le même problème là. Donc, quand il y a l'ordre, il y a un monde qui contrarie, même gens avec là où vous avez qui mettait vie en péril, il y a même en maintenant. En sorte que, si dans la vie, vous avez pour vous aimer, avant de commencer à aimer le monde, donc qui s'est privé, vous avez toujours un problème. Vous avez toujours senti que la vie, ça, n'est pas faite pour vous. Donc, ça fait Jésus dire, aimez les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jésus montre-nous, mais comment on a fait bagaille ça? Comment on a fait bagaille ça? Jésus montre-nous, conseil de bagaille qu'on a abandonné dans la ville. Il y a une première bagaille, il m'a demandé qu'on a abandonné, et son bagaille qui est très comique, on Dieu m'a demandé qu'on a abandonné l'orgueil. Vous connaissez, en français, il y a une phrase que ma mère dit, l'orgueil est un mal dont on dit du bien. Vous voyez, vous n'avez pas ça? En quelque sorte, mal, il parle de côté dans le livre, l'homme orgueil parle de bon bagaille. Alors que nous-mêmes, nous toujours parler de connaître mon problème, c'est garçon qui font l'orgueil par nous. Nous toujours parler de l'orgueil, de l'humain, de fierté nationale. Donc, bon Dieu, invitez-nous pour nous abandonner l'orgueil. Nous allons faire ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que pour sentir bien, c'est pour accepter qu'il y a des bagailles, pour t'arrêter tel jeu, mais il n'y a pas tel jeu. Et puis pour accepter que ça n'a pas bon problème. Une des bagailles que l'on n'a pas de orgueil, alors que moins d'orgueil est capable de faire bien, c'est une des plus grosses secrets qui gagne pour le bonheur et les autres parents. Donc, qui est-ce qu'on a étudié les hommes matin? Matin, nous étudions le bonheur, nous avons étudié les hommes saisis. Il dit, oh, mon Dieu, on a les vrais bénis, les vrais. Parce que pour aller parler de pardon et puis. Vous voyez le son, bah, on n'a pas même besoin de faire livre, c'est tout pour la étudier, pas ça? Alors, si on pas étudier, je dis à Mbani, vous pouvez demander, nous l'aimons vivre la caille, nous allons. Jésus dit, combien de fois Jésus dit que nous pardonnons les gens déjà? 7 fois? 77 fois? 7 fois, ça va être combien de fois? Ça va être infini. En fait, c'est ça, Jésus devrait dire. Pas jamais suspendre, pardonner. Est-ce que son monde son bagage? Faut pas donner. On dit oui en petit, oui en petit, oui en chiche. On me pose une question. Est-ce que ce qu'on fait, on va faire qui grave en pire, faut pas donner. Oui. Est-ce que si, on a fait une faux bagarre là, et puis tout dans la petite ting, la blague l'autre côté fait bagarre, faut pas donner. Oui. Est-ce que si on n'a pas mérité pardon, faut pas donner. Oui. Il va mériter non? Il va payer des pardons, il faut pardonner. Maintenant, pour qui ça faut pardonner? Hein? Bon monde qui dit oui? Pour partout. Oui, ça c'est une belle réponse philosophique. Bon, là, on dit pour la proposition. Pour qui ça faut pardonner, comme quelque chose à sa force?
nous besoin pardon, nous besoin mon Dieu. Parce que nous besoin pardon, perdez-moi ensemble. Pardonnez-nous, on dit ensemble. Nos enfants, quand nous pardonnons aussi, ils n'entendent pas ceux qui nous ont commencé à dire amen à cela. C'est-à-dire, même si on pardonne, l'autre là, c'est même genre de mon Dieu, pardonne. Pour notre réponse, pour qui ça nous besoin pardonner, mon parce que, pour qu'on vive, on n'a pas ça. Mais pour moi, je ne peux pas entrer en plus. Qui ça fait pour pardonner, mon? Parce que moi, ça, c'est douleur là. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, c'est douleur là. C'est comme on dit, continuer pour lui, pour ça, pardonner, mon. Pardon, son vécu, c'est vrai, mais la terre est moins. Non, on l'a dit. Parce que, en fait, c'est pardon seulement qui a libéré. Nous ne pouvons pas nous voir sous cœur, nous depuis que nous avons passé par côté nous, qu'elle nous tombe la force, nous allons marcher bien, nous mauvais, nous n'avons bien oui, nous n'avons bien, nous n'avons bien, nous n'avons bien, nous n'avons bien bien, nous même pas capable de donner, on a tout fait chaque fois. On a un pile dans nous là qui fait expérience, nous avons petit ménage qui quitte nous, et puis nous allons bien mener, et puis nous même pas mener en côté. Ou pas capable de pardonner mon nom. Donc Jésus dit pardonner. Et comme dit notre seule condition qui gagne au pardon. Nous avons une seule condition qui gagne pour le pardon. Qui seule condition qui gagne pour le pardon? Nous avons une décider pardonner. C'est ça la condition. Le pardon est une initiative personnelle. Il n'y a pas de rien à voir avec nous qui font offense. Le pardon, c'est leur décider que ça nous n'en fait là. L'IPA prend toute place qu'elle prend encore dans la vie. L'IPA est important pour nous encore. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ça dans le fond, non? C'est vrai, ça nous toujours fait. Nous ne pouvons pas se lever du fond. Pardonner maintenant, ça veut dire oublier tout ça dans le fond. Non, ça veut dire que vous disposez, vivre à vivre et même vivre avec maintenant en séparant maintenant des alphas là. On va oublier ça, il faut là, parce qu'en fait, oublier ça, il faut là, car il faut aller. Bon, monde qui dit ça, il dit si on maltraite une première fois, c'est faute pour nous. Mais si on maltraite une deuxième fois, c'est faute pas. Bon, ça ne va pas oublier. Ok? Et pardon, pas vouloir dire nécessairement réconcilier à nous. C'est vrai, ça nous va faire. Nous allons penser que pour nous pardonner au monde, nous devons réconcilier à nous. Non, pardonner, c'est, il voulait dire, vivre avec nous. Comme si ça n'était pas fait là par un obstacle encore entre nous-mêmes et lui-même. Maintenant, vie ou pas obligé de pardonner à mon encore. Évidemment, le but du pardon, c'est la rédemption. Amen. On pardonne, il fait tout effet pour le faire. C'est les gens qui acceptent pardon. C'est comme j'avais mon Dieu. Combien de gens sont là pour Dieu pardonner d'après nous? Combien de gens sont là pour Dieu pardonner? Tout le monde. Est-ce que bon Dieu pardonne les criminels là? Moun qui rachè moun avec toute manchette là, c'est bon Dieu pardonne. Oui, mais qui s'est fait le pas jouir grâce mon Dieu là? Parce qu'elle pas accepté pardon, amen. Et c'est ça qui est très important pour comprendre. Il faut comprendre que pardon ça peut offrir mon nom. Si moun n'a pas accepté lui, bon Dieu pour lui. Mais ou même vous libérez tout de poisson. Parce que quelqu'un qui te dit, ou même tout besoin pardon, besoin pardon, mais mon Dieu, ou besoin pardon, mais l'autre monde, tout va faire offense, c'est pas ça? Il n'y a pas jamais offensé à quel monde. Donc il faut pardonner pour capable de gagner le pardon. D'ailleurs, le pardon ne se mérite pas. Comme dit le dernier bagage que je dit non, parce que l'œil a avancé. Gagner un pile erreur que nous faisons les noirs. Et fonctionner avec nous et qui compte empêcher que question question bonheur là les capables d'atterrir dans nous-mêmes. Moi t'ai dit nous samedi dernier t'ai dit que culture nous éducation nous fait de nous de véritables machines à fabriquer notre propre malheur. Nous sommes t'ai dit ça véritable machine nous extrêmement astucieux, nous extrêmement bon dans ça parce que nous bon à provoquer stress là. Ensuite, nous avons entretenu ce stress-là. Nous sommes une fille, mais aussi nous baissons ce qu'elle a mangé matin, midi, soir. Comme ça, c'est très simple. Ni chien, ni bête, ni monde qui a un stress. Mais maintenant, depuis que nous avons un stress, 90 secondes après, le stress a passé. Mais nous avons alimenté. Comme par exemple, la machine dans la ville, elle a dit, plus frais de les chiens. Chiens volés. Les chiens viennent voler, ça le fait. Ils viennent l'aller. Ou même la machine dans la ville, elle a dit, vous volez tout. L'offre, vous volez, ça le fait.
pas ça? Ou casser le feu, mettez dans le chauffeur. Stress toujours. Lorsque vous cassez, mettez dans le même. Chauffeur, regarde, on est à bord. Et vous dites, merci, il est sur le jour. Mais ça dit? Non. Il mettez dans le même tout. Vous n'avez pas passé toute journée à mettre une dans le même. Et pas ça? Et puis, courir vers la carrière, vous plongez sur ma demande, vous plongez sur ma rire, vous êtes pas son mauvais journée là, etc. Et vous continuez. Bah, la continue de la carrière. Et 97 maintenant, il m'a empêché de passer. Donc, nous faisons ça. Nous avons une provoque stress, mais nous alimenter, nous allons manger, nous allons têter, nous caresser ce stress là, nous guérir ce stress là, nous aimer. Et puis, stress là, il m'a provoqué la carrière, ça nous est l'inflammation chronique. Donc, il faut nous apprendre à couper ce stress là. Faut nous connaître comment pour nous couper. Lire dans nos deux trois secrets pour nous couper ce stress là. Premièrement, faut nous connaître, mais pour qui ça n'a pas alimenté, c'est parce que des fois nous estimons que c'est nous guérison. Il va vous savez. Bon, mon qui dit la guerre survient quand les deux parties ont raison. Nous, j'aime pas, on a fait la guerre, puis passer le temps. Non, c'est parce que c'est la guérison qui fait la bataille. Donc, dès que d'accord encore, pas de bataille encore. Bah, dis-nous pour nous entendre tout le temps, mais qu'il y a de l'heure. Il faut choisir un temps régulièrement. Il y a 11 amis qui fait son prédicateur. Tout le monde voit peut-être, ou américain, mais monsieur prêche au seul jour, baïla. C'est son humoriste dans baïla. C'est une baïla. C'est mon Dieu de Dieu, ça me sait qu'on s'en fait seulement baïla. Genre baïla, et puis la mettez l'évangile à terre. Monsieur dit que, monsieur dans une blague, monsieur dit qu'il y a un pile garçon qui toujours. Et, non, il commence à dire, moi-même, l'aime pas marié, parler de mariage, moi, ou bien parce que la télévision, parce que la télévision, je me dis, relève à côté. Il dit, mon cher, si vous voulez vivre heureux, lorsque vous gagnez une discussion à madame, vous posez des tout, une question. Est-ce que vous voulez que j'ai raison, ou est-ce que vous voulez que j'ai heureux? Je ne comprends pas. Pourquoi le pasteur a dit, monsieur, lorsque vous gagnez, lorsque vous jouez à madame, lorsque vous bagayez, qui peut faire pour la gouvernement, mais bon, garantie ça va arriver. C'est très amoureux, etc. Tout le monde garantit qu'on l'a privé pour quelqu'un qui est condamné. L'homme qui est condamné, il faut vous ouvrir vos choux. Posez cette question. Est-ce que vous voulez vivre heureux? Ou bien est-ce que vous voulez guérison? Je dis, mon cher, pas que c'est nous, ça peut vivre heureux en pile. Loin de ça, ça veut dire, je ne sais pas, je suis guérison. Dès qu'on discute sur la madame, nous avons guérison. Pour guérison, chérie. Nous sommes déjà ça. Non! Il a jamais raison. Et puis c'est tout, foyer toujours calme. Donc évidemment, je ne dis à rien, mais il faut qu'on comprenne que causer des raisons amène trois mondes trop loin. Parce qu'en Haïti, les raisons nous disposent à faire n'importe bagaille. Les estimés que les raisons nous disposent à faire n'importe bagaille, si n'importe bagaille pour nous, parce que nous gagnons raison, nous n'avons pas droit. Il y a l'autre bagaille qui fait que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables d'aller dans la fini, nous ne sommes pas capables de mettre nous en situation pour que la vie nous bat tout ça nous besoin. C'est que souvent, nous gardons un bagage et nous faisons de fausses idées et fausses idées, ça amène nous bien loin. C'est très important de le comprendre que Jean réfléchit, il prend atterrir sous ça la vie. Nous sommes prêts à soigner des mythes que nous devons éviter dans la vie. Pas penser que côté on va vivre là pour être heureux. Pas penser que le fait qu'on parle suffisamment ou pas qu'à heureux, pas penser que les autres sont capables de faire que ou pas heureux, parce que c'est vous-même qui pour mettre dans la situation et mettre les autres dans la situation pour que vous capable de vivre avec eux, dans le genre pour vivre, sachant que, et peut-être oublier de dire ça, il faut savoir choisir ses amis aussi et ses autres son entourage. Mais la conclusion de tout cela, c'est que l'accès au bonheur et l'aptitude au bonheur, il réside à l'intérieur de nous-mêmes. Hier, nous avons lu un texte qui dit la connaissance donne le bonheur. Je ne vais pas dire exactement comme ça. Mais plus vous avez besoin de bien dans la vie, c'est plus vous obligé à apprendre, vivre avec nous, vivre avec notre monde. Parce que causer pardon, par exemple, il y a un gros secret là-dedans que nous ne connaissons pas. Premier monde pour nous apprendre à pardonner, c'est peut-être nous. Parce que des fois, le problème nous gagne, c'est que nous-mêmes nous gagnons, il y a un bagage que nous avons mené et qui n'est pas sortir dans la vie. Que bon Dieu bénisse nous pour assurer ça. Moi, je souhaitais que plusieurs dans samedi soient capables suffisamment clair pour nous des pistes de solutions pour que la vie soit capable de transformer. Encore une fois, que bon Dieu bénisse nous. Bonne soirée et à sa prochaine. Amen.